De chacune de nos rencontres en visioconférence, je trouvais ça important de terminer sur une note positive. Alors, je prenais toujours le temps de féliciter mes élèves pour ce qu'on avait réussi à accomplir pendant la période, de voir les belles réalisations, tous les apprentissages qui avaient été faits. Alors, ça, c'était vraiment là, le petit moment où on se tape sur l'épaule, qu'on se dit bravo, qu'on a fait du bon travail. Aussi, le moment où on se motive pour notre prochaine rencontre. C'est un moment aussi que j'en profitais pour leur lancer des défis. Alors, quelles étaient mes attentes d'ici la prochaine rencontre? Leur lancer des petits défis personnels, amusants, des petites réalisations là, à accomplir là, de façon là, autonome. Les enfants ont vraiment embarqué dans tous ces projets-là. Ils étaient fiers, même lors de la présentation suivante, de la rencontre suivante, de nous partager justement ces réalisations-là, que ce soit d'avoir réalisé la recette là, du cuistot Rodrigo lors de notre période de mathématiques ou d'avoir fait le projet d'art plastique proposé par l'enseignante spécialiste. C'était toujours un beau moment là, où on se lançait des défis, mais où on partageait également nos bons coups. C'était aussi le moment où les enfants avaient le droit d'ouvrir le micro pour se dire un petit mot. Alors, pour se dire au revoir, à la prochaine, mais aussi pour parfois se donner des petits rendez-vous au parc. Alors, les enfants étaient contents de se dire « on se voit au parc après la journée, ma mère va appeler ta mère pour qu'on puisse aller faire une balade à vélo ». Alors, c'était toujours un petit moment privilégié. C'était un petit peu cacophonique, je ne vous cacherai pas, mais les enfants attendaient toujours ce moment-là un peu avec impatience. Donc, ben, mes fins de cours dans mes classes virtuelles sont très semblables à mes fins de cours dans la classe. Donc, je leur rappelle le devoir à faire pour le prochain cours. Je leur donne les consignes. Supposons, si au prochain cours, on s'en va au laboratoire, je leur donne les informations qu'ils ont besoin de savoir pour le laboratoire. Ensuite de ça, je m'assure aussi d'avoir mis mes informations sur Mosaïque, parce que nous, on utilise Mosaïque pour les devoirs et les leçons. Donc, je m'assure d'avoir mis cela. Je leur rappelle que c'est là. Je leur rappelle aussi, vous avez telle page à faire. N'oubliez pas que l'examen est dans 3 cours. Donc, c'est tout ma fin de classe, en virtuel ou en réel, est très semblable. Puis en même temps, je trouve que virtuel et réel, c'est moi, c'est la même personne. Donc, je trouve ça important de faire la même affaire un peu pour pas qu'ils soient débalancés non plus, qu'ils sont habitués à tout ça. Les jeunes ont vraiment hâte de s'en aller. Ils sont à la maison, ils sont assis, ils sont pas dans un environnement contraignant, ils n'attendent pas de cloche. Ils ont juste hâte de s'en aller. Donc, c'est sûr que je leur donne quelque chose à faire pour le prochain cours. Ça, c'est sûr, il faut qu'il y ait une suite. Je reste disponible pour eux, mais dès qu'ils peuvent s'en aller, ils s'en vont. Là. Je veux qu'ils aillent bouger aussi là, avec une journée de 4 cours assis devant son écran. S'il peut s'en aller, il va s'en aller là, le plus vite. Alors, non, j'ai pas de moment clé magique. Je reste disponible, je reste ouvert. Et ils me disent tous... On se dit bye, je les reconnais, bye Iba, bye Jonathan, bye, 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 bye. On se dit plein de bye-bye, on se le dit. Puis, ce qui est drôle, ben, c'est qu'il y en a toujours qui attendent jusqu'à la fin, pas qu'ils se sont endormis devant leur écran, là. Mais là, les personnes qui restent vers la fin, ils veulent parler. Il faut attendre ce moment-là. Et ils partent, puis hein, comme dans une classe, ils attendent, puis quand ils sentent que c'est parti, là, ben là, ils peuvent discuter, ils peuvent parler, puis il est arrivé quelque chose, mon petit frère s'est fait tester hier, ici, c'est là qu'ils s'ouvrent. Il faut rester jusqu'à la fin pour leur permettre de s'ouvrir. Il y en a tout le temps qui restent un petit peu à la fin puis qui disent, par exemple, « Ah, ben j'ai pas trop compris telle chose »
ou est-ce qu'il y aurait un moment où on pourrait, vous pourriez m'appeler parce que là, je voulais pas prendre trop de temps parce que là, je voyais qu'il y avait plusieurs questions, mais j'aurais besoin d'un petit peu plus de temps pour revenir sur telle notion. Donc, ça pouvait être soit en présentiel, si on avait l'occasion de se voir en présentiel, mais ça pouvait être aussi des rendez-vous qu'on se donnait là, à l'extérieur de notre cours pour revenir sur certaines notions en individuel ou même des fois en petit groupe. Des fois, il y en a qui m'appelaient. On est en train de faire notre devoir, tout ça. On ne comprend pas cette partie-là. Est-ce que vous pouvez nous donner un coup de main? Donc, le fait d'être habitué d'utiliser cet environnement-là, ben, on dirait qu'ils se permettent aussi davantage de l'utiliser à l'extérieur du cours, là, de leur période de cours pour justement devenir plus efficace puis pas bloquer quand ils n'ont pas de réponse, mais d'essayer d'aller en chercher. J'essayais toujours de le terminer peut-être une dizaine de minutes avant la fin parce que je n'aimais pas ça être pris et puis manquer de temps pour bien fermer la boucle. Donc, souvent, je revenais sur est-ce qu'il y en a qui ont rencontré des difficultés plus importantes, soit au niveau, par exemple, du contenu, mais ça pouvait être aussi des activités comme des logiciels, des applications web, etc. Des fois, au contraire, il y en avait aussi qui me disaient « Ah, mais ça, j'ai vraiment beaucoup aimé ça ». Donc, on faisait un retour sur ce qui s'était bien déroulé, ce qui avait été moins bien aussi en classe. Je m'assurais aussi de refaire un rappel de ce qui s'en venait dans les prochains cours. Donc, est-ce qu'il y avait des remises à faire? Parce qu'on a bien beau le faire souvent au début du cours, à la fin, lorsqu'ils ont des choses à remettre, soit pour le prochain cours ou tout ça, souvent, ils vont avoir tendance à rapidement tout fermer, ce qu'ils sont en train de faire et pas nécessairement s'assurer de « est-ce qu'ils ont terminé ce qu'ils avaient besoin de faire? C'est quand le prochain cours? C'est quand le prochain examen? » Pour moi, la manière de clore un cours en visioconférence, ça ressemble beaucoup à une manière que j'aurais de clore un cours en présentiel. Donc, je vais revenir un petit peu sur les sujets qu'on a touchés dans la journée. Puis, je vais présenter les sujets du prochain cours en essayant d'allumer la curiosité un petit peu là, en travaillant un petit peu la technique d'impact pour favoriser l'assiduité au cours. Ma manière de favoriser l'intérêt des élèves, comme je suis en formation professionnelle, c'est de relier les objectifs d'apprentissage qu'on va voir à leur métier. Donc, si je leur parle d'un objectif qu'on va voir la semaine prochaine ou demain au prochain cours, je le relie directement à ce qu'ils vont avoir à faire quand ils vont être sur le marché du travail pour que l'élève sente que c'est important d'apprendre cette matière-là. Parce que apprendre pour apprendre, c'est pas gagnant. Donc, si je suis capable de leur faire réaliser que c'est important pour eux d'apprendre ce qu'on va apprendre la prochaine fois, bien, je viens un petit peu allumer leur curiosité, comme je le disais, pour favoriser l'assiduité au cours. Donc, c'est ma manière à moi de conclure mon cours. Et bien sûr, de saluer chaque personne qui veut saluer, qui veut me saluer. Et je me fais un devoir de quitter la salle en dernier. Comme je le ferais à l'école. Je ne vais jamais quitter ma classe avant que tous les élèves ne soient pas partis puis que je les ai salués. Donc, je ne me verrais pas raccrocher puis m'en aller. Ça ne se ferait pas. Ça ne se ferait pas plus que je le ferais en classe. Donc, c'est moi qui quitte en dernier après avoir salué mes élèves.